Bah, j'ai accepté d'être la marraine des débats parents, je pense avant tout parce que je suis une maman concernée, je suis aussi très curieuse, donc je pense que c'est une belle opportunité pour moi non seulement d'être là en tant que marraine et peut-être d'apporter un petit peu bah, peut-être mes conseils et en tout cas mes expériences de maman et puis surtout d'être à l'écoute aussi avec des grands spécialistes qui vont pouvoir nous éclairer sur les sujets. Création d'équipements ces dernières années, il faut bien le reconnaître, notamment des crèches d'entreprise, inter-entreprise, mais il y a encore de gros besoins à satisfaire. L'écart entre le besoin mode de garde et l'offre dans notre pays ne se réduit pas suffisamment, alors qu'on a des femmes qui sont de plus en plus actives, qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas, il y a un besoin que les enfants soient ouverts sur le monde extérieur à la famille et qu'on accueille les tout-petits. La crèche est une solution excellente. Maintenant, il y a d'autres modes d'accueil qui peuvent aussi être tout à fait satisfaisants. Je pense effectivement à un mode d'accueil familial avec une assistante maternelle, mais aussi à l'accueil avec une assistante parentale au domicile. Qui peuvent répondre à des besoins particuliers des familles. Tous les modes d'accueil peuvent correspondre aux besoins et à la sensibilité d'une famille. Encore faudrait-il qu'une famille ait le choix de trouver le mode d'accueil qu'elle souhaite pour son enfant, car les parents, c'est un des premiers actes de parentalité qu'ils font, de tenter de choisir le mode d'accueil. Et bien souvent, ils sont en échec, car ils ne trouvent pas ce qu'ils souhaiteraient pour leur enfant. Je vous donne rendez-vous le samedi 8 octobre pour le premier débat parent à la FNAC de Montparnasse.